les plus beaux endroits visités en Arabie Saoudite. Apiculture Al-Baham. Cascade de sable dans le désert. Équitation au bord de la mer à KEC. Caravane de Samo dans la région du Riyad. Naissent dans la région mystérieuse de Tebouk. Et enfin, la mer Rouge est le poisson le plus rapide en monde. Les 125 000 Russes d'Albert produisent 800 tonnes de miel par an. Les arbres et les fleurs variés de cette ville du sud-ouest de l'Arabie en font le lieu idéal pour l'apiculture. Profitez de votre visite pour ramener un doux souvenir ou assister au festival du miel en juillet. Imaginez des surtout avec du sable. Voilà à quoi ressemble ce rare phénomène naturel qui, en Arabie Saoudite, se manifeste à Fulbes et en dehors de Riyad, généralement après de fortes pluies. Le Samo jouait autrefois un rôle important dans le transport de marchandises sur les célèbres routes de la soie et de l'essence de la péninsule arabique. Rendez-vous à la réserve de Rennes, à 70 km à l'ouest du Riyad, pour voir ces animaux de plus près. Faire une balade à dos de Samo, découvrir la façon d'une et camper dans une pente bédouine. À KEC, les touristes comme les habitants peuvent faire des promenades à cheval en bord de mer. La ville accueille le World of Monuments Festival, un événement annuel proposant de l'équitation, du camping sur la plage, des spectacles, des concerts, du buggy dans le désert.
pour voir l'anis en Arabie, rendez-vous au Jebel el-Lous, la montagne d'amandes en Arabie, culminant à 2549 mètres d'altitude, le mont le plus haut de la province de Tabouk et le seul endroit du pays où il neige presque chaque année. Admirez aussi les gravures historiques représentant des animaux disparus sur les rochers. L'Arabie Saoudite est l'un des rares pays où les plongeurs peuvent apercevoir le poisson le plus rapide du monde. Extrêmement rare, l'espadon solitaire peut nager à plus de 109 km par heure et compte parmi les 1200 espèces de poissons peuplant la mer Rouge.